Chercher doit se traduire dans nos comportements quotidiens avec notre voisinage immédiat. Consolidons donc le vivre ensemble, si cher au président de la République, son essence à Charles Ouattara. Mesdames et messieurs, honorables invités, la situation sécuritaire de notre pays est marquée par des attaques djihadistes répétées dans des pays voisins, dont les ramifications et conséquences peuvent affecter notre beau pays et ses citoyens si nous manquons un seul instant de vigilance pour faire face à cette menace qui est plus que nécessaire. Chère population de Dioma, les djihadistes s'installent là où les populations sont favorables. Mais soyez sûrs, lorsqu'ils sont installés, ils n'ont plus d'amis. Mettons-nous à l'abri de ces menaces en dénonçant aux forces de défense et de sécurité tous les comportements d'individus suspects. Le faire, cette collaboration entre l'armée et la population ne peut se faire sans le rapprochement des forces publiques des populations. C'est pourquoi il me plaît de solliciter chacun des cadres à œuvrer pour l'aboutissement du projet de création de la brigade de gendarmerie de Dioma, en vue de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Merci, messieurs des forces de défense et de sécurité, pour votre présence quotidienne qui rassure nos populations. Pour terminer, qu'il me soit autorisé d'exprimer une fois de plus en votre nom ma reconnaissance à nos illustres invités, particulièrement à mon épouse pour sa présence constante à mes côtés à ce moment solennel. Merci, Monsieur le Président du Tribunal, mes chers grands frères, d'avoir pris la juste décision d'être en séjour avec nos parents de Dioma. Merci pour toute l'estime que tu nous portes. Merci, Honorable Bassadia. Merci, Honorable Bassadia. Vous qui me disiez hier, être entre le marteau et l'enclume, mais qui avait pu vous échapper des deux contraintes, pour venir nous témoigner encore votre attachement à notre sous-préfecture. Merci, cher grand. Population de Yengoro de la sous-préfecture de Dioma, mesdames et messieurs, membres de la plateforme des cadres, avant d'éclore mon allocution, vous ne m'en voudrez pas de vous traduire à nouveau mes sincères remerciements pour votre mobilisation exceptionnelle qui a permis le succès de la célébration des 62 ans.